Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle expérience vidéoludique. Aujourd'hui, j'enfile ma casquette de chauffeur de taxi avec ma petite touffe ici qui est bien rousse. Et on va jouer à Yellow Taxi Goes Vroom. Ce jeu bien coloré aux tendances rétro, un hommage au jeu d'N64 de l'époque, vous allez le voir. On part à la recherche des engrenages, comme dans Banjo et Kazooie sur Nintendo 64. Alors on va suivre les pièces. Et on va récupérer le deuxième engrenage. Et on va développer petit à petit les capacités de ce taxi qui n'aura jamais la possibilité de sauter. On va devoir se débrouiller en utilisant le décor pour récupérer les engrenages et avancer dans ce monde du taxi jaune. Ah zut, fallait lui parler. Je crois que je l'ai fait tomber. Il est revenu heureusement. Voilà, c'est un personnage qui te dit, bon, quand il y a le checkpoint, je réapparais. Allez hop, au revoir. Oh mais non, je rate le troisième engrenage. Attendez, on y retourne. C'est par là. On suit la flèche. On grimpe. Pour l'instant, j'ai que accéléré, j'ai que freiné. Et le troisième qui va ouvrir l'accès à la maison de Morio. Bien joué. Alors, il dit qu'il y a une invasion extraterrestre avec Elon Musk, etc. On passe. On est là pour voir le gameplay de ce jeu que je trouve franchement super rafraîchissant. Ça fait plaisir. Et hop, on rentre dans la maison de Morio. Et on va voir un panorama du jeu comme on avait dans les Mario 64, par exemple. Tu vois un peu tout ce qui se passe. La petite maison au centre, ça fait penser à Dragon Ball Z. Quand tu appuies sur Start, tu vas voir. Ah zut, on l'a pas. Attendez, c'est comment? Ah, on n'a pas encore la carte du monde. C'est marrant parce que t'as une petite fenêtre comme sur les vieux PC et tout. Et là, Zikmu, en mode Mario un peu. Alors, on va récupérer les pièces qui vont nous servir. Ah, vous allez voir, je vais pas vous dire. C'est franchement drôle. Je n'ai pas encore la possibilité de le faire. Je peux pas casser les caisses. Donc là, je vais avancer. Et on va apprendre la première capacité de notre taxi. Tournicoti, c'est le nom du mécanisme que j'ai inventé. Tournicoti, tournicoton. Blablabla. C'est quoi cette vue? Énorme. Maintenant, on appuie sur X. Il tourne et il fonce en ligne droite. Avec, oh, les têtes de l'île de Pâques. Excellent. Donc là, ici, il nous dit d'avancer. On appuie sur X et boum. Et on a le checkpoint. Voilà toute la simplicité de ce jeu. Et on est libre de se balader dans tous les sens. Par exemple, on peut aller par là-bas et vous voyez... Il y a des nez avec des moustaches dans le ciel, des paires de nez. C'est totalement dingue. Allez, hop, on passe par-dessus. Je vous ai dit qu'on ne peut pas sauter. Et un engrenage magique. Là, vous pouvez prendre les pièces, etc. Je vais pas vous tout récupérer parce que on est tout de même là pour avancer et puis voir le gameplay. Et regardez ici, on a comme un petit Amstrad PC. Il s'appelle PC. Bip bop, le savais-tu, tu peux accélérer et freiner dans les airs avec le mécanisme tournicoti. Regardez ce qui se passe. Attention, j'enlève mes lunettes parce que sinon, on fait ça. X, et là, boum, accélération magnifique, plongée vers le ciel du petit taxi. Et là, on a un nouvel engrenage qui est là, on se demande, mais comment est-ce que je peux l'avoir? Et c'est là où le soft développé par ces messieurs ou ces mesdames est intéressant. Tu dois trouver l'angle, t'appuies sur X, t'accélères, et tu te foires, bien sûr. Ce serait pas intéressant, ce serait pas marrant plutôt si je n'y arrivais pas. Hop, on recommence. Mais c'est pas possible! Bon, peut-être de plus près. Peut-être d'ici. C'est pas vrai! Est-ce qu'on va y arriver? Alors, peut-être de là. Soyons un peu intelligents. C'est un deuxième engrenage obtenu et avec nos 91 pièces, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va
être dans l'air du temps, on va acheter du cosmétique avec un petit chapeau. Regardez, acheter le chapeau. Oui! Youpi! It's me! Allez, on continue. Hop! Et là où c'est vraiment ingénieux et amusant, c'est que vous avez un engrenage tout au bout là-bas, à l'horizon. Alors, on va mettre nos poussins dessus. Regardez, le... Attends, attends! Ah! C'est raté le temps mort. On va recommencer. Wouh! Deuxième. Troisième. Et oui! Très belle performance. Et j'ai débloqué un nouveau niveau. Mais on va pas y aller. Pour le moment, on le fera à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer la maison de Morio. Parce que franchement... Moi, je vous dis, ça vaut le détour. Il y a de l'imagination, il y a de l'ingéniosité. C'est de l'art absolu, ce jeu. Donc déjà, bon, c'est choupi-choupi. Regarde ça. Ce petit décor, on est dans le garage. T'as les petites boîtes à outils, tu peux t'effoncer. En haut, tu dois trouver la possibilité... Tu dois trouver comment faire, en fait. Comment je vais en haut? Ben, tu fais comme ça. Tu vas au forcing. Yeah! L'engrenage, et tu continues, tu te balades dans la maison de Mario, avec un passage secret ici, par exemple, que tu repères à force de faire le tour, et tu vois aussi des beaux tableaux. Excellent. Il y a un passage secret. Wouhou! L'appareil, on se retrouve avec des chapeaux achetés. On se quitte pour cette petite démo de Yellow Taxi, Fevroom, je ne sais plus quoi, avec le Boom Beach. Et... Ah ouais! C'est vraiment Mario 64, là. Les persos bons qui ont des... gros nez. Mais qu'est-ce que je dois faire, là? Attends, j'ai rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Hé! Hey, je dois retourner à mon hôtel! Je suis coincé sur cette petite île, tu peux m'emmener? Attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, mais c'est devenu Crazy Taxi! C'est devenu Crazy Taxi, c'est la folie! Holy crap! Mais je ne comprends plus rien! Oh. C'est psychédélique ce jeu! Démentiel, merci! Oh! Pino Pinguino, allez, rentre! Ah non, il rentre pas dans ta caisse, il te remonte. Il fait le tournicotis. Et qu'est-ce que je fais? Je dois suivre la flèche là? Ah, je dois aller là. Démentiel! Oh! Un nouveau client! Primavera! Bon, je me fais remonter le tournicotis! Oh! Bon, bah écoutez, sur ces belles images, je vais vous souhaiter la bonne journée! À bientôt pour une nouvelle expérience! J'essaie de suivre le truc! To 67 now I'm